Salut tout le monde, comment nous y est, espérons nous en forme. Je dis à la, moi je viens ensemble avec un sujet qui gagne trois points importants. Je viens parler nous de mémoire RAM qui sur ordinateur. Premièrement, je viens montrer nous qui type de mémoire RAM laptop ou soit ordinateur là capable de supporter. Pour une raison pour l'autre, vous t'avez me connaît. Deuxièmement, je viens montrer combien giga RAM ou qu'à installer sur laptop ou du moins sur ordinateur qui va fonctionner. Troisièmement, moi viens parler de combien slot, combien ranulas, ou soit combien fat, combien espace qui gagne dans board laptop ou du moins ordinateur qui fonctionnaire qui est capable d'installer carte mémoire. Pour me capable plus clair, ça veut dire ou gagne un ordinateur soit un laptop qui gagne 4 giga RAM ou t'as voulu ajouter capacité RAM non ou penser acheter un carte mémoire. Premièrement, ou pas qu'on est si pour t'as tout acheté une 8 giga, tout à vle le 12 giga, ou du moins, ou pas qu'on est si pour t'as tout acheté une 12 ou soit 16 giga. Eh bien, là où elle connaît, si laptop la gagne plusieurs espaces, ou du moins, s'il gagne plusieurs fonts, s'il gagne plusieurs RAM, ou là, s'il gagne plusieurs slots, j'en connais l'habitude d'en dire là. Là, si vous gagne 4, ou qu'à toujours quitter 4 ça, ou acheter un lot qui gagne 8, ou du moins, s'il gagne 16, ou fait le 20 plus. Là où elle connaît combien espace il gagne depuis sous système ordinateur, depuis sur Windows sans avoir même besoin de visser. Vite regarder vidéo jusqu'à ce qu'il finisse pour être capable de jouer tout ça. Ok, j'aime ça dire nous là, nous allons partir ensemble avec la première partie vidéo qui c'est et comment nous sommes capables de voir qui est mémoire qui est compatible ensemble avec laptop ou soit ordinateur qui n'a fonctionné. On va passer deux chemins ensemble avec nous. Premièrement, nous allons regarder sur ordinateur depuis sous système Windows nous allons commencer avec quelques informations. Deuxièmement, on va passer l'autre chemin ensemble avec nous pour être capable de plus d'informations toujours. En aller. Là, dans un petit espace qui vide en bas, nous allons faire clic droit sur lui. Nous allons aller côté qui dit administrateur de tareas. Si ordinateur là l'état en espagnol, c'est encore mieux. Mais si toutefois, il y a la même langue ensemble avec Pamna, on va juste faire même ça ou même faire. Voilà en bas, dans un petit espace qui est vide. Vous faites clic droit et puis vous allez sur administrateur de tareas. Automatiquement, vous entrez sur administrateur de tareas. Vous allez ouvrir l'espace bien. Vous allez côté qui dit rendimientos. Rendimiento. Là, nous cliquons côté qui dit carte mémoire. Là, nous commençons à voir un tas d'informations. Il y a plusieurs versions, mais version ça qui sur ordinateur pour là. Il doit venir différent, mais pas même c'est DIMM. Ok, ça c'est une partie. Deuxièmement, il y a un programme qu'on va faire nous installer sur machine. Programme ça, on va quitter le lien là dans la description pour nous. Pour capable pour aller et puis là on a fini. Ok, par exemple là on a gagné l'écran là, on a juste point nous sélectionner l'écran, nous fait clic droit sur lui, nous copier automatiquement, nous copier, nous aller en l'air là sur internet là, nous coller là, nous coller, nous venons d'une page là comme ça. N'a seulement cliqué sur download now. Automatiquement nous cliquer sur download now. Là nous gagne programme là qui gagne temps télécharger. Dans l'air là, n'a pour programme là qui gagne temps télécharger, ça va dépendre qui serveur qui au gagne. Moi-même utiliser serveur ça libre moi le comme ça. Nous minimiser partie ça, minimiser ça. Et puis n'aller côté programme là télécharger, on a cherché là descargas ou du moins download et puis nous le programme là nous fait clic droit sur lui et puis nous fait exécuter comme administrateur automatiquement. On a installé le programme ça là, nous continuons, nous fait oui, nous minimiser ça et puis nous fait accepter, next. Là, si pour la partie sélectionnée ou supposée sélectionnée, ça veut dire juste pour capable quitter une icône dans l'écran pour faire next. Et puis là où il est là, on fait installer.
automatiquement fait installer là. Moi même ça moi pas besoin, même si pas nous on t'a sélectionné tout, nous mettre des sélectionnel et puis finish. Là nous avons gagné un programme là, là mais là n'a seulement fait deux clics sur lui et puis nous fait oui. Là la le système board nous là pour capable ben qui type de mémoire qui compatible ensemble avec ordinateur là. OK. Là il gain temps monter. Normalement là ça c'est toute information laptop moyen là. Ça qui puis intéresser moi là dans moment c'est mémoire. Moi fait un clic sur memory. Bon pour capable puis bien. Là dans espace qui dit memory, du moins mémoire, il est possible pour nous toujours venir installer en anglais. On a fait clic sur memory. Automatiquement nous fait clic sur memory, ça c'est information ça qui nous a besoin. Nous avons un cadre de mémoire DDR3, ça c'est cadre de mémoire ça qui est compatible ensemble avec laptop 1. Et puis capacité une chaque mémoire ça c'est 3791.0 MHz. Ça c'est deux moyens que nous capable voir qui type de mémoire nous capable gagner nous gagner sous ordinateur nous du moins sur laptop. Deuxièmement, moi te dit nous moi pour montrer nous qui quantité mémoire RAM laptop nous supporter. Et bien nous voilà ensemble avec moi. OK, pour nous connaître quantité mémoire RAM laptop nous supporter capable supporter nous voilà là ensemble avec mon barre de recherche là en bas toujours n'a toujours fonctionné ensemble avec barre de recherche là en bas toujours et puis là nous pourrons faire clic sur lui nous cliquer sur lui CMD symbole de système nous cliquer sur lui nous mettre le plus gros pour nous capable de travailler à faire. Yeah. Là nous finir de là bon moi va quitter pour nous sous et moi va quitter commande de ça pour nous dans description vidéo hein n'a seulement copier et puis le niveau là nous fait clic un seul clic et puis là tout tombe là et puis là où il est là ça va demander qui clavier ou bien ou utiliser si il en anglais là ou cliquer sur enter ou du moins si il en espagnol là intro ou cliquer sur lui. Là ça c'est capacité 4 mémoire moyen yo ba moins 1 mégabyte quantité ça qui libre nous là sélectionner on fait ctrl c automatiquement nous fait ctrl c sur lui. Là nous prend calculatrice nous on prend calculatrice là moi connais 1024 mégabyte égale à 1 giga. Ça veut dire si nous connaissons 1024 égale à 1 giga, je prends une quantité ça, je colle le dans la calculatrice là. Et puis, je divise par 1024. Je fais égal. Ça, je suis capable de dire ça, c'est quantité de gigabyte que la top moyen ou du moins ordinateur est capable de supporter. OK, là nous avons deux points importants. Troisièmement, moi te dit, moi va montrer nous comment nous capable ouais quantité espace ou du moins quantité slot, combien RAM nous las que un board laptop gagné, laptop qui n'a utilisé ou du moins ça n'a fait travail là. Gagné, ça nous pas même besoin de visser physiquement. Premièrement, il y a deux côtés capable. Premièrement, nous doit aller même côté ensemble avec nous hein. Nous allons faire un clic de haut là, en bas de recherche là, même côté en bas vide là. Et puis, nous allons faire clic droit, nous allons dans administrateur de tareas. Là, les niveaux là, nous entrons dans rendement. Là, nous entrons dans mémoire. Automatiquement, là, par exemple, côté qui dit Ranulas ou Sadas. Ça veut dire là, je joue une quantité espace qui est bonne moyen lui-même, bonne laptop ça qui m'a utilisé à gagner. Moi gagner deux espaces qui est 4 mémoire, dans 4 espaces qui est moins gagné sous bonne là. OK. Ça veut dire moi gagne dans 4 espaces là, gagne deux réserves encore qui moi capable mettre 4 mémoire, deux qui fit.
Mais il y a une autre façon de capable de encore. Dans le symbole des systèmes, dans le symbole des systèmes, c'est MRE, comme on tout gagne là. Ok, nous copions même commande que nous avons donné. Nous seulement faisons un clic, les supposés viennent là. On a recopié, le vin, on a recollé. Là, on a fait inter ou soit inter, ça va dépendre de qui. Et clavé ou gagne en mot. Liban nous même quantité encore. Ça veut dire là, on est capable de dire bon, moi, j'ai gagné 4 espaces que moi capable d'utiliser pour moi m'inviter 4 mémoires. Ok? Premièrement, premier truc que nous avons fait, qui est là, là, il faut voir combien de 4 mémoires qui sont installées. Dans espace, dans ranulation, du moins dans espace pour mettre 4 mémoires. Là, nous avons 2 de 4. Ça veut dire que nous avons 2-4 mémoires qui sont installées dans 4 espaces qui sont bien. Là, seulement nous avons 4 espaces. Ça veut dire que nous avons tous les deux chemins pour nous capables. Nous espérons que la vidéo est utile. Nous apprenons ça nous pour nous bien entendre, pour nous bien garder, pour nous bien pour nous capables comprendre et puis pour nous capables de faire travailler ça. Parce que c'est vraiment important. Ça arrive ou bien laptop ou besoin ajouter capacité ou besoin mettre plus giga RAM sous lit, mais ou douter très fort que ou pas connait si laptop ça lui même ni gain espace pour mettre un autre carte mémoire du moins si c'est même carte mémoire ça pour ta changer pour qu'on qui gain plus capacité et bien vidéo ça a pido en pile. Je vous abonner, tout abonner. Pour chaque nous laguer des trucs comme ça pour capable tout voir. Et pas oublier partager la vidéo.